Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix d'Hongrie 2006. La séance de qualification qu'on va lancer maintenant. Les quelques 4300 mètres du sinueux circuit hongrois sont pour l'instant silencieux, mais tout va changer avec le début des qualifications du samedi. Ici, au Hungaroring, dès la fin de la première séance de 15 minutes, nous connaîtrons les 6 voitures qui occuperont les dernières places de la grille et le nom des pilotes admis en deuxième séance. Voilà Scott Speed qui quitte les stands dans ce début de première séance. Donc c'est parti, donc ce fameux Grand Prix d'Hongrie 2006 hein, qui a vu la première victoire de Jenson Button, bien aidé par tous les aléas des autres pilotes derrière lui, enfin devant lui surtout, notamment l'abandon de Raikkonen, les péripéties de Schumacher, l'abandon d'Alonso, et j'en passe. Et donc de notre côté, bah moyen en termes de temps. Hein. Pas fait des temps exceptionnels en essai libre, on est avant dernier. Je sais pas trop où gagner du temps. Bon, je fais pas beaucoup d'erreurs, l'avantage, c'est le truc qui peut être cool. Mais à part ça, à voir en course hein, ce que ça peut donner, parce qu'il peut pleuvoir aussi. Allez! Ok, alors moteur cassé dès le début, c'est super ça. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait le circuit de Hongrie en mode c'est l'été, hein, c'est-à-dire toute l'herbe elle est quasiment jaunie. Ok, pas un bon bout d'entame là. Voilà, histoire de... On va essayer de suivre la Red Bull. Bon, c'est le premier tour, hein. C'est celui là on a trop d'essence. Donc c'est pas trop grave. Il y a du monde en tout cas sur le circuit. Mais ça m'étonne pas. De toute façon, on n'était pas rapide du tout. Scott Speed réalise un nouveau temps au tour. Allez, c'est parti pour un vrai tour lancé là. Takuma Sato achève son tour complet. Jacques Villeneuve termine un tour complet. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce temps. Il va plutôt chercher à l'oublier. Ouais, surtout là, à mon avis, c'est sûrement la faute de Lewis. C'est marrant de se dire qu'un an après, il aurait pu rouler contre lui. Parce qu'il est arrivé en 2007, l'autre il a fini sa carrière en 2006. Christian Klien obtient un chrono. Un résultat assez médiocre. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. Nico Rosberg réalise un nouveau chrono. Il a obtenu ici un très beau chrono. Scott Speed réalise un nouveau temps au tour. Il a fait ce qu'il fallait ici. Ah non, j'ai pas réussi à avoir la corne. Christian Albers réalise un nouveau temps. Thiago Monteiro réalise un nouveau temps. Les pilotes bouclent. Ok, c'est mort, on va faire revenir au garage. Faisons un tour complet sans Felipe Massa, David. J'ai même pas le temps de regarder le classement en fait, où j'ai vite.
Bon, je pense que si vraiment j'arrive à gérer, je peux peut-être faire un peu mieux. Légèrement mieux. Bon, on est déjà 20e, donc... Il fallait qu'on passe sous les 1-20. Il est prenable à fond. Hein. Il faut vraiment avoir la bonne trajectoire dès le départ. J'arrive pas à sortir bien hein, dans le dernier virage. Oh, le petit freeze là qui m'a. Il sera furieux de ce chrono. Il est concentré. Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant. Perdu dans le dernier secteur. Scott Speed réalise un nouveau temps au tour. Christian Albers réalise un nouveau temps. Yuji Hide boucle avant la tentative. Il devrait en être content. Antonio Liuzzi achève un tour de qualification. Mark Webber boucle un tour complet. Je pense que je suis en retard dans les deux secteurs. Hein. Oh non. Temps tour. Il a fait ce qu'il fallait ici. Christian Albers réalise un nouveau temps. Yuji Hide boucle son tour. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Pas époustouflant, de quoi être satisfait sans plus. Complet. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce temps, il va plutôt chercher à l'oublier.
Oh non! Ah ben voilà, on était en avance. Et j'ai encore le choix de trucs. Bon, tant pis, on partira dernier. Enfin, 20ème. Il a fait ce qu'il fallait ici. Ouais, je pense que j'aurais peut-être pu gagner 2-3 dixièmes, mais bon, on aurait été 19ème ou 18, hein, ça n'aurait pas changé grand-chose. Allez, quittez la séance, c'est pas grave. Nous poursuivrons dans quelques instants. La première séance est terminée et nous connaissons les occupants. Nous allons passer à la fin de cette deuxième séance. Les jeux sont faits. De la 10ème place à la pole, l'ordre est... Allez, c'est parti. Nous voici dans la merveilleuse cité historique de Budapest, ou plus précisément au Hungaroring qui accueille le Grand Prix de Hongrie. En 1986, le Grand Prix de Hongrie est passé dans l'histoire. Il s'agissait en effet de la première course de F1 à avoir lieu de l'autre côté du rideau de fer. Le Hungaroring a le tracé le plus étroit du championnat de Formule 1 après Monaco. Il est très difficile de doubler sur ce circuit, alors une bonne qualification est capitale. En pole position, alors, Alonso, la sa physique est la Schumacher avec Montoya, Button, Raikkonen, Trulli, Eichfeld. Et j'ai passé. Lol. Allez, c'est parti. On dirait que ça fait des heures que les pilotes attendent le signal du départ. C'est parti! J'ai un très bon départ, mais j'ai raté les murs, soit. Manque d'adhérence. Ils vont bientôt chauffer et passer au mur. Oh, le passage sur le côté du mur, là. Ils sont au coude à coude à l'approche du premier virage. Fernando Alonso sort en tête du premier virage. Oh non, 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 non. Derrière lui, Felipe Massa. Derrière, on trouve Giancarlo Fisichella. N'en fais pas, garde ton calme. Et tu devrais bientôt reprendre cette position. Alors, j'ai de l'essence, donc il va falloir faire gaffe quand même. Oh, on est 11ème. J'aurais même presque peut-être pu finir plus. Eh ben voilà, on s'est fait toucher. Je sais pas pourquoi je m'attendais. Ça va être dramatique ce Grand Prix, je le sens. J'ai pu prendre à fond. Pff, oh là là, les Toyota qui sont. Tes pneus sont verts sur l'indicateur d'état. Le grip devrait être maintenant au maximum. Allez, on va sortir de la zone DRS. Non, DRS. Pas de DRS, mais une respiration. Ressemble la course après le premier tour. Je suis complètement loupé. Massa est deuxième. Fisichella troisième. Putain, c'est pas vrai. Michael Schumacher. Barrichello cinquième. Montoya. Mais ils vont me charcuter sixième. Toute la journée, quoi. C'est pas possible. Septième place Button et Hedfeld est à la huitième place. Treizième pour l'instant. Ne fais pas d'erreur ou tu vas tout gâcher. Et mon équipe qui est juste derrière. Hein. Il a fait un bon départ aussi, Montero. Bon, tu sais quoi, je pense que ce que je vais faire, c'est que Montero, on va faire le jeu d'équipe de Montero. On va laisser passer Montero dès qu'on peut. Oh putain, je dis laisser passer, pas le doubler, pas le rentrer dedans. Et Alonso est premier, Massa est deuxième, Fisichella troisième, quatrième, Michael Schumacher, Barrichello cinquième, Montoya sixième. Elle va faire un peu bouchon, on va essayer de laisser Montero prendre de l'avance. Est à la huitième place. Putain, mais c'est pas possible, hein. Tous les tours ils vont faire chier, c'est pas incroyable. Allez Montero, vole de tes propres ailes. S'il te plaît, n'abandonne pas par contre. Superbe première portion, c'est ton meilleur temps jusqu'ici.
Fernando Alonso se donne maintenant à fond. Le chrono précédent était de 1:17:27. Felipe Massa le voit s'éloigner sans pouvoir s'accrocher. Il a fait des temps de 1:17:30 environ. L'écart est maintenant de 1:06. Oh ben là, oui. C'est David Coulthard. Il est hors course, il doit être très déçu. Christian Albers a pris part à l'accident. Sa voiture n'a pas trop souffert de cet accident. Quatrième tour de ce Grand Prix. Alonso est premier. Massa est deuxième. Fisichella troisième. Quatrième, Michael Schumacher. Barrichello cinquième. Montoya sixième. À la septième place, Button. Et Hedfeld est à la huitième place. Bon, je refais ce que j'ai pu. Hein. C'est que j'ai pas assez d'appui sur l'avant, j'ai l'impression. Alonso continue à mettre la pression. Le chrono précédent était de 1:17:17. C'est beaucoup plus rapide que Felipe Massa. L'écart est maintenant de 1:08. Oh, j'arrive à rattraper la Williams, c'est incroyable. Ah, par contre, une fois que je suis derrière elle, il n'y a plus personne. Quoi. Oh, à l'extérieur. T'es 17ème pour l'instant. Incroyable. J'ai pas de rêve. Aucun rêve. Oula, mon élan avant commence à être un peu... Au virage 6, c'est Christian Albers. Attends, j'ai fait n'importe quoi dans cette zone. Mais son aileron avant est touché. Il devrait pouvoir continuer une fois que les mécanos lui auront mis un nouveau nez. Pas de quoi abandonner, mais c'est quand même pas de chance. L'autre voiture impliquée est celle de Mark Webber. Il s'en est sorti indemne. Ouais, j'ai plus de grippe à l'avant, j'ai pas ajouté l'aileron. Nous en sommes au sixième tour. Alonso est premier. Massa est deuxième. Fisichella troisième. Quatrième, Michael Schumacher. Barrichello cinquième. Montoya sixième. À la septième place, Button. Et Hedfeld est à la huitième place. Ouais, j'ai plus trop de grippe à l'avant, j'ai encore perdu une grippe. Hein. T'es jamais allé aussi vite dans la première portion pendant cette pourtant, séance. Pourtant, j'avais quand même allé aussi vite, c'est incroyable. Alonso continue à mettre la pression. Le chrono précédent était de 1:17:19. Son avance sur Massa a considérablement augmenté. L'écart a augmenté pour atteindre exactement 2 secondes. De toute façon, je vais continuer, hein. J'ai un autre à faire. On va voir qui c'est qui est 15ème ou... J'ai l'impression que Montero a déjà été recollé malheureusement. Si on regarde sur la carte. Il n'y a pas d'abandon pour le moment devant.
continue à mettre la pression. Le chrono précédent était de 1:17:10. Son avance sur Massa considérablement augmentée. L'écart a maintenant atteint 2 secondes 2. Voici le classement des 8 premiers de la course. Alonso est premier. Massa est deuxième. Fisichella troisième. Quatrième, Michael Schumacher. Barrichello cinquième. Montoya sixième. À la septième place, Button. Et Hedfeld est à la huitième place. Pour l'instant, Montero est toujours 14e. En fait, son haut de la carte. Le chrono précédent était de 1:17:12. Son avance sur Massa a considérablement augmenté. L'écart est passé à 2 secondes et demie. Ouais, pour l'instant, il est toujours dans le vent. Nous sommes aux trois quarts de ce Grand Prix. Alonso est premier. Massa est deuxième. Fisichella troisième. Quatrième, Michael Schumacher. Barrichello cinquième. Montoya sixième. À la septième place, Button. Et Hedfeld est à la huitième place. Allez, encore 5 tours. Il tient toujours pour le moment, Montero. Par contre, il y a un énorme écart entre lui et les Toyota devant. Continue à mettre la pression. Le chrono précédent était de 1:17:05. Il a maintenant une avance considérable sur Felipe Massa. L'écart a augmenté. Il est en ce moment de 2 secondes 7. Malheureusement, il n'y a pas d'abandon, hein. Du coup, pour le moment, ça n'a pas d'intérêt ce que j'ai fait.
Michael Schumacher se donne un peu plus à fond, mais reste à savoir si à ce stade avancé de la course, il a la capacité de passer devant lui. Fisichella a du souci à se faire. À l'heure actuelle, l'écart est d'une seconde et 7 dixièmes. Fisichella termine plutôt bien son tour. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Superbe première portion. C'est ton meilleur temps jusqu'ici. Alors qu'on entame les derniers tours, Alonso est premier, Massa est deuxième, Fisichella troisième, quatrième, Michael Schumacher, Barrichello cinquième, Montoya sixième. Fisichella prend encore de l'avance. Il a encore creusé l'écart d'un dixième de seconde. Montero est en train de faire la course de sa vie, hein. Toujours en train de tenir. Fisichella termine une belle deuxième portion. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. 2 dixièmes de mieux dans la troisième portion. Fisichella prend encore de l'avance. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Je pense que pour Montero ça va pas tenir. Là il est complètement harcelé. Il y a un stool leader qui a raison de prendre un tour. Et c'est ce qu'il est en train de faire. 2 secondes et 1 dixième séparent maintenant les pilotes. Comme ça, je calcule, il y a combien de voitures? 1, 2, 3, 4. Moins 5, donc il est 13ème pour le moment. Le pilote de tête, Fernando Alonso, a entamé son dernier tour. Il est suivi de Felipe Massa. Fernando Alonso est dans son dernier tour, on dirait qu'il est en mesure de gagner. C'est avec beaucoup de classe que Michael Schumacher arrive au terme de ce tour. Il se rapproche lentement. L'écart a encore diminué d'un dixième de seconde. À moins d'un tour de l'arrivée, on dirait que Schumacher essaie encore de gagner une place. Aura-t-il assez de temps pour y arriver? Nous le saurons très vite. Bien, c'est ton meilleur temps dans la première portion. Fisichella n'a pas dit son dernier mot. Il commence à attaquer. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Allez, il faudra un abandon là, un ou deux quoi. Michael Schumacher sait qu'il doit réagir et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a encore réduit l'écart d'un dixième de seconde. Et voilà, Fernando Alonso franchit la ligne à la première place et marque ainsi 10 points bien mérités. Felipe Massa prendra, lui, la deuxième place. Non, pas d'abandon. Du coup, il va finir 13ème, ce qui est plutôt pas mal hein, pour Montero, mais... J'ai fait ce que j'ai pu. Allez, dernière ligne droite pour Montero. Enfin, dernier virage. On fait la course par procuration, quoi. Ah, qui a fait un 14ème, pas 13ème.
Je voulais qu'on finisse 11e ou 10e ou 12e pour que ce qu'on place. La 13e course de la saison s'est achevée de façon. Alors, victoire d'Alonso, on remercie ça. Physique la Schumacher, Barrichello, Montoya, Button, Heidfeld. Dans la phase finale de la saison, les équipes et les pilotes vont pouvoir faire un break et passer un peu de temps avec leur famille et leurs amis. Ah, cool, je vais pouvoir passer un peu de. C'est le dernier circuit d'Hermann-Tilke. Allez, construit next. Dans la banlieue d'Istanbul avec son célèbre. Montero, du coup, qui finit 13e. Regardez comme il a bouchonné. 58-59. On se retrouve dans 3 semaines pour un nouveau chapitre de la saison 2. Alors, on va quand même voir le classement pilote. Colando toujours en tête devant Massa. Physique est là. Nous, on gagne une place 3e. Ensuite, aucun changement. Et voilà, Montero qui passe devant nous, mais bon, on va dire qu'on l'a bien aidé quand même, de certaine manière. Par contre, c'est UJID qui est toujours devant. Donc, aucun changement au championnat constructeur entre nous derrière. Renault en tête, Ferrari, McLaren. Honda, Toyota, Sauber. Et on est encore dernier, bon. Et c'est pas grave, hein. Écoutez, on va attendre un circuit plus propice pour peut-être tenter quelque chose de mieux. Et ça sera le Grand Prix de Turquie. Alors Turquie, je le connais pratiquement pas, donc on va voir. Enfin, je le connais pas, je le connais, mais j'ai jamais joué ce jeu sur ce circuit avec ce jeu. Donc on verra. À la suite, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.